L'un des faits les plus marquants de notre époque, c'est l'ampleur et la rapidité des changements dans le monde du travail. Nouvelle logique de marché, changements techniques technologiques, nouveaux liens d'emploi, nouvelles formes d'organisation du travail, nouvelles pratiques managériales. Bref, un ensemble de changements qui se traduisent par une véritable mutation de nos manières de travailler et de vivre le travail. Autrement dit, on est entré dans un nouveau monde du travail. Je pense que les principales mutations qu'on a connues dans le monde du travail depuis une quinzaine d'années, disons depuis la crise de 2008, c'est un peu la consolidation, voire même la poursuite des grandes transformations que le monde du travail a connues à la fin des 30 glorieuses, avec l'arrivée de la mondialisation, l'ouverture aux échanges commerciaux, délocalisation d'emplois et évidemment changement puis transformation technologique dans les différents milieux de travail. Les grandes transformations du travail au cours des dernières années, bien, on pourrait remonter dans le temps, mais on doit dire qu'elles sont majeures. Je vous dirais même qu'on a pu les observer au début des années 80, mais particulièrement durant les 15 dernières années. Je pense qu'on assiste dans le monde du travail à des transformations qui sont importantes et qui interpellent divers acteurs, tant les syndicats, tant le monde du travail en lui-même, mais surtout les personnes salariées qui donnent du travail. Trois grands changements ont modifié en profondeur notre monde du travail depuis une trentaine d'années. D'abord, des transformations d'ordre structurel liées à l'économie, fondées sur une libéralisation grandissante des échanges. L'essor d'un capitalisme actionnarial avec une forte composante de financiarisation. Ça repose aussi sur des changements techniques et technologiques majeurs associés à la production de biens et à la manière de dispenser des services. Ça s'est traduit par des changements dans le contenu du travail, la manière d'organiser le travail, mais aussi les formes d'emploi. Et puis, une économie de la relation fondée essentiellement sur l'essor des services aux entreprises et aux consommateurs, arrimée à une nouvelle économie, une économie du savoir, qui en fait est une économie de plus en plus cognitive. Et je sais que vous avez travaillé depuis longtemps sur ce phénomène-là, Monsieur Mercure appelait ça la disparition des temps sociaux. Juste dans la vie du président de la CSN, l'utilisation d'un téléphone comme celui-là fait en sorte qu'on n'a pas besoin de passer nos grandes journées assis derrière le bureau pour corriger un communiqué de presse, faire une entrevue, puis faire une réunion. Sauf que on n'est plus capable de dire combien d'heures on passe au travail parce que à 9h le soir, on répond à un courriel. Le samedi matin, on prend deux, trois appels en campagne alors qu'à l'époque, on n'avait pas la ligne dure pour répondre. Vous pouvez même difficilement prétendre que vous ne recevez pas un texto ou un message parce que les gens vont dire « Bien, voyons donc, tu ne regardes pas ton téléphone régulièrement. » Donc, ça, c'est une réalité qui n'est pas le propre de quelqu'un qui a une responsabilité comme la mienne. Ça transcende de plus en plus l'ensemble des milieux de travail. Et là, on a de la difficulté. Ça embrouille la frontière entre la vie personnelle et la vie au travail. Puis, s'ajoute à cela deuxième changement important dont on parle pas suffisamment peut-être,
à savoir les nouvelles pratiques managériales et de GRH qui se sont fortement développées au cours des 15 dernières années et dont l'objectif principal est de plus en plus de mobiliser la subjectivité au travail, les savoirs, les habiletés, les aptitudes. Et ça, évidemment, ça a été accompagné par une plus grande intensité du travail. Qu'on peut observer, je vous dirais qu'il y a deux phénomènes là, qui se traduisent très, très clairement, qui sont aussi observés chez les membres qu'on représente, la surcharge du travail et la précarisation ou la précarité du travail. Sont des enjeux majeurs. Je pense qu'en tête de liste des transformations qu'on observe, et ce n'est pas étranger. Même si la centrale des syndicats du Québec est majoritairement dans le secteur public, on voit qu'il y a eu des tendances dans le secteur privé qu'on connaît depuis le début des années 80, c'est-à-dire productivité, plus de flexibilité, qui a emmené les entreprises en général, en voulant réduire leurs coûts, à copier des modèles finalement qui, pour amener plus de flexibilité, ont précarisé davantage le travail. Et ce qu'on observe aujourd'hui dans les services publics, malheureusement, depuis les 15 dernières années, c'est qu'au nom de la réduction des coûts, on va mettre en place des mesures qu'on appelle d'efficience ou des mesures pour accroître la productivité qui va totalement à l'encontre des valeurs qu'on peut observer dans le domaine des services. Notre façon de penser le monde du travail, bien, ça date d'une époque qui est en train de disparaître. Hein, on négociait des conventions collectives dans le secteur industriel. L'ouvrier arrivait à 18 ans, prenait sa retraite à 65 ans, puis il décédait 2 ans après parce qu'il avait travaillé dans un milieu où l'environnement était totalement malsain. Alors que maintenant, on sait très bien que ça ne veut plus dire ça. C'est fini le fordisme complètement. Alors là, on est dans une dimension, puis dans une dynamique du monde du travail qui fait en sorte que les syndicats doivent réfléchir justement à comment donner de nouvelles protections aux travailleuses et aux travailleurs. Et ça passe, oui, bien sûr, par organiser les travailleurs dans un syndicat dans le milieu de travail, mais ça passe aussi par une modernisation des lois du travail qui est complètement déconnectée des nouvelles réalités d'aujourd'hui, des lois du travail qui ont été construites à une autre époque, alors que le monde change à la vitesse grand V. Troisième onde de changement, un nouveau rapport au travail, c'est-à-dire une nouvelle manière de vivre le travail. Ce sont des changements liés non seulement aux transformations de la composition de la main-d'œuvre, de plus en plus instruite, de plus en plus féminisée, mais aussi à des changements culturels importants qui ont des incidences sur les différentes catégories de la population active. Ces trois ordres de changement, me semble-t-il, ont profondément marqué nos 30 dernières années et conduisent à des modifications importantes dans nos manières de travailler, dans le contenu du travail, mais aussi dans les formes d'emploi. Si le monde du travail change, forcément, il y a une transformation qui est observable dans le rapport au travail, puis même dans le comportement, je dirais, des acteurs. Parfois, on a l'impression que cette nouvelle réalité-là qui prévaut, qui commande plus de flexibilité, qui commande plus de performance, d'efficience, d'efficacité, ça fait en sorte que les rapports peuvent être davantage tendus dans les milieux de travail. Mais en même temps, on comprend aussi qu'il y a des comportements qui changent. Les employeurs ne sont pas à la même place que, par exemple, il y a 40 ans. On négocie plus. Souvent, on va le rappeler, quand les gens remettent en question le syndicalisme, on dit toujours 98 % des conventions collectives au Québec sont signées sans aucun conflit de travail. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a certainement des comportements qui ont changé. Je ne donnerai pas d'exemple spécifique, mais il y a des endroits même
où les comportements ont fait en sorte que les travailleuses et les travailleurs qui ont professionnalisé leur travail ont décidé de révoquer l'accréditation syndicale. Ce que ça amène du côté des travailleuses et des travailleurs, c'est bien certain, c'est une surcharge de travail. Parce qu'on va leur demander de plus en plus, puis je pourrais donner des illustrations tant en éducation et en santé, mais on va leur demander de plus en plus de pas... que leur travail soit beaucoup plus axé sur des cas, sur des statistiques, sur des nombres, plutôt que sur des personnes et sur leur développement. Fait qu'on a introduit dans le domaine de la santé ce qu'on appelait des méthodes Lean, par exemple, qui sont un calque du privé, où on va, par ces méthodes-là, demander de plus en plus d'avoir des rapports, d'avoir des statistiques, de pouvoir monitorer un épisode de soins pour un patient ou d'avoir à monitorer finalement combien d'heures soins pour... alors que on va y aller pour être en mesure de comparer est-ce qu'on est efficient, est-ce qu'on est productif, est-ce que ces questions-là vont... dominent finalement dans le domaine des services publics et ce qui amène effectivement du côté des personnes une dévalorisation finalement de ce pourquoi ils se sont engagés dans les services publics et c'est une mesure qui va totalement à l'encontre finalement des valeurs fortes qu'on peut observer. C'est au début des années 80 qu'on assiste à un véritable basculement de nos manières de produire des biens et de dispenser des services. On sort alors d'une période de désenchantement à l'égard du travail, d'une période de crise de productivité, d'une période d'internalisation de la concurrence, notamment au regard de la production asiatique. On est dans un essoufflement d'un modèle productif dont la rigidité était l'un des traits de caractérisation et dont la quête de souplesse sera un des éléments moteurs des changements à venir. Et puis, pour compléter le tout, les États, sous l'effet du Thatcherisme et du Reaganisme, se lancent dans un vaste mouvement de libéralisation des marchés, d'entente internationale pour ouvrir les marchés et créer une concurrence plus vive. Est-ce que les employeurs sont anti-syndicales et ça fait en sorte que les gens se désyndiquent? Peut-être. Mais je ne suis pas certain non plus, parce qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui professionnalisent leur travail et qui comprennent qu'ils ont eu besoin du syndicat pour être capables d'améliorer leurs conditions de travail et que maintenant, comme il y a une forme d'individualisation du travail, comme s'il n'y avait plus de rapport au collectif, mais que c'était la performance de l'individu dans l'institution qui faisait que tu améliorais tes conditions salariales par des primes ou toutes sortes d'avantages, bien, les gens réfléchissent moins le rapport au travail et à l'action syndicale de façon collective. C'est pas une bonne nouvelle, à mon avis. Moi, je pense que c'est une erreur. Même s'il y a des mutations, il faudrait que les gens préservent l'accréditation syndicale pour être capable justement de les représenter. Parce que quand tu as un problème individuel, forcément, tu as besoin de ton syndicat pour être représenté. Mais il y a quand même des transformations qui font en sorte que patrons et travailleurs-travailleuses se comportent différemment. On n'est plus dans le rapport de classe contre classe de la même manière qu'on a pu le concevoir dans les années 50, dans les années 60-70. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de capital et qu'il n'y a plus de travail. Ça ne veut pas dire que les gens ne vendent plus leur force de travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exploiteurs. Mais ça veut quand même dire que les relations ont changé, que les relations de travail ont changé. Et moi, je voyais récemment
dans des entreprises où notre fonds de travailleurs, fonds d'action investis, bien, il y a une condition à l'investissement, c'est celui d'un milieu de travail de qualité où on intervient et les employeurs acceptent justement de s'asseoir avec des travailleuses et des travailleurs pour penser l'organisation du travail, pour penser la façon dont on gère les conditions générales dans lesquelles s'exerce le travail. La même chose dans le secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation primaire, secondaire, on a introduit, fin des années 80, ce qu'on appelle l'injection axée pour les résultats. Donc maintenant, ce qui compte, c'est d'avoir des statistiques. C'est de se questionner sur le taux de réussite ou sur le taux de décrochage scolaire en termes de résultats, en termes de statistiques, et non pas d'être en mesure de regarder au global qu'est-ce qui conduit à ces problématiques-là qu'on vit dans les réseaux pour s'y attaquer. On va toucher aussi au phénomène de la concurrence. On va introduire de plus en plus de concurrence dans le système scolaire, tant dans le réseau privé versus le réseau public que dans le réseau public lui-même, en développant des projets particuliers pour certains élèves. Ça fait que les écoles se concurrencent entre eux. Puis le dernier projet de loi qui sera déposé prochainement va tenir compte aussi du phénomène de concurrence qu'on va instaurer. Un genre d'émulation qui, dans le système public, va totalement à l'encontre de ce pourquoi on s'engage quand on travaille là-dedans, puis travailler avec des personnes, donner des soins aux personnes, éduquer des enfants, s'occuper des tout-petits, bien, c'est pas, on n'est pas dans des chaînes de production. Il y a des valeurs autour de ça. Ce qu'on cherche, c'est à développer, c'est avoir une approche globale, c'est donc d'avoir des moyens pour donner ces services-là. Fait que ça va totalement à l'encontre. Fait que c'est le genre de transformation sociale et du monde du travail auquel on assiste qui pose un énorme défi, dans le monde du travail, qui pose un énorme défi pour le monde syndical aussi. Les entreprises vivent à ce moment-là une véritable crise qui est accentuée par un loyer de l'argent plus élevé. Et pour répondre à cette crise, elles se lancent dans des stratégies novatrices. Stratégies fondées essentiellement sur l'impartition, c'est-à-dire l'externalisation, et puis la flexibilité tous azimuts. On peut identifier deux grandes vagues de flexibilité de façon générale. Il y a d'abord eu une quête de flexibilité technique. Il s'agissait alors d'ajuster l'appareil de production à des exigences variées en contenu, variées en forme et plus conjoncturelles. Donc, des techniques plus souples, des technologies mariées à la robotisation, mariées à un ensemble de pratiques novatrices qui visent à accroître une flexibilité dans les appareils de production. À cette flexibilité s'en ajoute une autre, la flexibilité fonctionnelle, c'est-à-dire une main-d'œuvre beaucoup plus polyvalente qui va être en mesure d'œuvrer dans un mode de production avec des flux tendus, des équipes de travail, un aplatissement des structures organisationnelles. Ces deux premiers changements propres à la première vague laissent présager une baisse de la division du travail, une sorte d'espoir. On parle alors possiblement de la fin du travail en miettes. Mais très rapidement, les nouvelles pratiques de flexibilité nous conduisent à envisager les choses d'un regard différent, c'est-à-dire qu'au travail en miettes succèdent des miettes de travail. C'est qu'on se retrouve dans une deuxième vague, cette fois-ci fondée sur la flexibilité numérique, c'est-à-dire ajuster le volume de main-d'œuvre selon les besoins, les conjonctures très variables. Comment? Par de la sous-traitance, par des emplois à durée déterminée, par l'essor, en somme, du travail précaire. Les statuts d'emploi sont alors modifiés et on atteint des taux de travail atypiques
et de précarité très élevée. Ceci va évidemment interpeller les syndicats, puisque ce qui est en cause, c'est beaucoup la sécurité d'emploi. Bien, c'est évident que ces transformations-là, de façon un peu plus macro, ça a des répercussions sur comment les gens vivent le travail aujourd'hui. Le phénomène de la précarisation, le travail atypique, ça entraîne une certaine forme d'insécurité. On ne sait jamais si l'entreprise va fermer pour délocaliser ou encore si une transformation dans le milieu du travail va faire en sorte que demain je vais travailler. Et souvent en négociation, on s'aperçoit que comme la pression est très forte sur les entreprises à cause de la concurrence internationale, bien souvent ces mêmes entreprises-là vont être en demande sur le plan de la négociation. On négociait des salaires à la hauteur de 5, 6, 7 % dans les années 70. Aujourd'hui, c'est impensable d'imaginer qu'on puisse négocier de l'enrichissement, par exemple. On négocie dans le secteur privé le maintien du pouvoir d'achat des travailleuses et travailleurs. Dans le secteur public, souvent, on n'y arrive même pas, historiquement, à maintenir le pouvoir d'achat des travailleuses et travailleurs. Donc, une pression constante, je dirais, sur les conditions de travail, mais aussi et surtout sur le fait, demain, est-ce que j'aurai encore un emploi? Récemment, on a connu des transformations importantes. Je vais vous donner un exemple. Juste dans le monde des communications, où on a perdu, avec toutes les transformations technologiques et la disparition, à toute fin pratique, de la presse écrite au Québec, vers des nouvelles plateformes et l'utilisation de plus en plus importante de Facebook, de Google par les citoyens et les citoyennes, on a perdu le tiers des emplois dans les salles de presse. Alors, donc, la mutation qui s'est exercée dans ce milieu-là, celui des communications, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que, évidemment, le monde avance, le monde se modernise, puis il y a des phénomènes qui font en sorte que, maintenant, on n'a plus besoin d'ouvrir le grand journal à tous les jours pour aller chercher les nouvelles. Il n'en demeure pas moins que ça a des conséquences importantes sur les conditions générales de travail. Et je dirais qu'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que souvent, les nouveaux emplois à statut précaire viennent sans conditions, pas de régime de retraite, pas de régime d'assurance. Vous avez un problème de santé, vous êtes plus à la merci de comment évolue le marché, vous n'avez pas de garantie nécessairement. Si vous êtes au Québec, vous avez des programmes de sécurité sociale, tant mieux, mais ça, c'est même des programmes qui sont en train de rétrécir comme peau de chagrin avec toutes les mesures d'austérité et les politiques néolibérales qui sont appliquées. Si vous n'avez pas de régime de retraite, il y a 60 % des travailleurs au Québec qui n'ont pas de régime complémentaire de retraite. Donc, la régie des rentes du Québec, puis la couverture prévue par les régimes de retraite fédéraux, c'est à peu près 40 % de votre revenu. Donc, vous arrivez à la retraite avec un statut absolument d'insécurité, puis vous n'avez pas un revenu décent qui vous permet justement de vivre décemment à la retraite. On parle du numérique comme une révolution industrielle. Bien, ça va nous créer une zone de travailleurs un peu dans une zone grise. Qui sont-ils? Comment on les représente? Comment on leur donne des conditions? On l'a vécu dans le monde syndical avec dans les services éducatifs à la petite enfance. Quand on a mis en place le vaste réseau, il y a la moitié des éducatrices qui ont été laissées pour compte dans le parcours, celles qui donnent le travail à domicile, qu'on appelle les intervenantes en milieu familial. 10 ans de bataille juridique pour les faire reconnaître un statut de travailleur qui n'était pas de seconde zone. On a réussi à développer un modèle de relation de travail qui leur permet d'avoir un minimum de protection sociale alors qu'elles n'avaient rien. Donc, dans les attitudes du gouvernement, il y a un laxisme, il y a un laisser-faire volontaire parce qu'il y a une vision étatique qu'il faut réduire la taille de l'État et qu'il faut être concurrentiel, qu'il faut être performant, qu'il faut être efficient. Et pour ça, ça commande une réduction de la taille des missions de l'État, une réduction même, le phénomène de l'entreprise privée d'être plus productif à moindre coût avec moins de travailleurs. Et ça, pour nous, l'attitude du gouvernement dans ça, a été une attitude de vouloir imposer ça. Et je pense que le gouvernement a créé lui-même les phénomènes de transformation du monde du travail qui ne sont pas à l'avantage ou les crises qu'on connaît actuellement. Et c'est pour ça qu'on interpelle de façon plus large que
le dialogue social, que le partenariat employeur-syndical avec les gouvernements, qu'on puisse se poser les réelles questions puis adapter notre monde du travail aux nouvelles réalités. Parce qu'il n'y aura pas de développement économique dans une société si on ne s'attaque pas à la productivité au sens noble du terme, puis en même temps d'avoir l'équilibre avec l'équité sociale. Puis ça, il y a tout un travail, mais pour ça, il faut changer radicalement les politiques actuelles du gouvernement qui nous ont présentées depuis les années 80. Là, on voit que ça, on s'aperçoit que ça va mal, on va interpeller les syndicats, là. Quand on voit qu'il y a une crise, on va compter sur le monde syndical pour pouvoir aider à apporter des solutions. On est de solutions dans ces occasions-là, mais encore faut-il qu'on ne rame pas à contre-courant des grandes tendances qui sont en train de s'exercer. À la suite de tous ces changements-là, on se retrouve avec des rapports de travail beaucoup plus atomisés, avec une accentuation de la précarité de l'emploi, des exigences de polyvalence plus élevées et une montée en force des nouvelles pratiques de management, dont la GRH est l'un des pivots. Fait que c'est le genre de transformation sociale et du monde du travail auquel on assiste qui pose un énorme défi. Qui pose un énorme défi dans le monde du travail, qui pose un énorme défi pour le monde syndical aussi, parce que la réponse que les gens ont trouvée, c'est comme s'ils avaient intériorisé ces questions-là, que là, mon travail aujourd'hui, là, c'est qu'à la fin de ma journée, j'ai vu tant de malades, que je me sois assurée que j'ai tout fait pour que tel enfant, finalement, y réussisse, là, qui est à... parce que j'ai une statistique à produire, parce que mon école doit afficher un résultat performant. Et les personnes sont portées à trouver des solutions individuelles à leurs problèmes, qui, quand on parle du monde du travail, est beaucoup plus un problème d'organisation du travail, un problème de conditions puis d'organisation du travail qu'un problème individuel, alors les solutions sont collectives. Ça, c'est tout un défi. Mais on est dans l'ère où, parce qu'il y a du monde qui travaille là, dans les services publics, il y a du monde qui donne au quotidien des services aux personnes, mais on est dans l'ère que même dans ce domaine-là, c'est pas un investissement dans nos services publics, il faut réduire les coûts, et pour réduire les coûts, on prend des modèles du privé, puis on tente de se concurrencer avec des pratiques du monde du travail qui viennent du privé. D'où la grande, au nom de la flexibilité, le très fort taux de précarisation dans le monde du travail. Ça, c'est un phénomène vraiment qui a une ampleur importante. Donc, forcément, ça fait en sorte que ça modifie le comportement des travailleuses, des travailleurs, parfois avec des dimensions positives, parfois peut-être un peu plus négatif parce que tu oublies le rapport collectif à l'organisation syndicale. Mais c'est clair que les gens ne conçoivent plus le travail de la même manière. Et c'est aussi clair que les gens considèrent que le travail, ben comme je l'ai dit un peu tantôt, c'est pas un même et seul et unique travail de 18 à 65 ans. Alors, vous pouvez occuper un emploi pendant 10 ans dans un secteur d'activité particulier, puis vous pouvez retourner aux études à 35, 40, même à 50 ans, puis vous pouvez changer d'orientation. Donc, le monde du travail fait en sorte que maintenant, c'est peut-être un peu plus possible d'agir en toute flexibilité. Et honnêtement, il y a des gens qui considèrent que c'est même un avantage de pouvoir justement avoir une certaine marge de manœuvre par rapport au type de travail qu'on veut exercer. Est-ce que c'est marginal? Pas tant que ça, je pense,
Mais c'est clair qu'on voit se dessiner de façon générale une professionnalisation d'un certain nombre de catégories d'emplois qui offrent des conditions d'autonomie puis d'indépendance intéressantes. Mais il y a encore des travailleuses et des travailleurs dans le secteur, notamment des services privés. Je pense à la restauration rapide, je pense au commerce au détail, où les gens, il y a encore un 6-7 % de travailleurs au Québec qui sont au salaire minimum, puis il y a un 20 % qui dépendent de ce salaire minimum-là. Eh bien, cette importance du travail, elle est toujours là. Pour 70 % de la population active, le travail est quelque chose de très important, soit parce qu'on s'y réalise, soit parce qu'on en manque. Néanmoins, cette centralité absolue ne se confond pas à une centralité relative. C'est-à-dire que lorsqu'on compare le travail avec les autres éléments de la vie, on voit bien que les éléments de la vie, même si le travail est très important, revêtent une importance encore plus grande. Ce qui pose évidemment toute la question des liens entre le travail, la vie privée, le travail, la famille, et évidemment la conciliation travail-famille. La conciliation famille-travail va prendre une dimension importante aussi. Ça va être des valeurs qu'on va rechercher. Fait que, il y a une contradiction avec ces valeurs-là qui sont fortes dans le monde du travail, puis ce qu'on leur impose. Donc, il y a une crise de valeurs dans ce sens-là, parce qu'à la fois, je m'engage parce que mon travail est important, mais en même temps, je ne suis pas reconnue pour ce que je fais et à sa juste valeur. Fait que le fait de devoir survivre au monde du travail qui se complexifie, où on en demande de plus en plus, où la charge de travail s'alourdit, puis en même temps, on donne moins de ressources pour faire face à la tâche, on coupe au maximum pour assurer le service, ben, pour les personnes, il y a une crise-là d'identité dans le travail qui devient importante. Le travail ne devient pas le centre de tout ou c'est l'occasion de t'épanouir. Au contraire, le travail, parfois, te rend malade. Devant une main-d'œuvre qui est de moins en moins nombreuse à vouloir construire son identité au travail. Elle souhaite plutôt affirmer son identité en milieu de travail. Il y a un modèle qui représente à peu près 38 à 40 % de la population, que j'appelle l'égotéliste, qui vise à retrouver dans le travail les mêmes possibilités de réalisation qu'elle trouve à l'extérieur du travail. Alors, c'est une question importante. Parce que l'enjeu de la mobilisation des besoins de réalisation de soi est un enjeu important pour le management, mais aussi un enjeu important pour le monde syndical qui veut bien sûr mobiliser ces nouvelles catégories de travailleurs qu'on retrouve surtout dans les secteurs de l'économie du savoir, dans les secteurs de pointe et qui sont des gens assez qualifiés. Et en somme, la vision instrumentale du travail, elle est toujours là. Elle se retrouve souvent dans les secteurs qui sont le plus en déperdition. Mais globalement, il y a une vision expérientielle au travail qui s'affirme et qui commande, et de la part des syndicats, et de la part des managers, des nouvelles manières de faire. Et tout cela se produit dans un contexte plus large qu'il faut regarder de près. Il y a d'abord un fait, à savoir qu'on travaille de plus en plus. Les jeunes travaillent de plus en plus. Les personnes de 55 ans et plus et de 60 ans et plus travaillent de plus en plus. Les hommes et les femmes travaillent de plus en plus. Autrement dit, on n'est pas dans une société de loisirs. Cette liberté 55, on l'a vécue comme un mythe des années 1975, en gros, à 1995 ou 2000, c'est-à-dire au moment des crises des fonds de retraite. En fait, ce dans quoi on est, c'est dans une civilisation marquée par le retour au travail. Et ça, c'est un changement majeur.
Et un autre changement important doit être considéré quand on examine toute cette question des changements culturels. Ce sont les classes moyennes. Les classes moyennes sont au cœur des aspirations de progression sociale dans une société. Les classes moyennes, c'est un pivot. Pivot de la mobilité ascendante, pivot de la mobilité descendante. En ce moment, la situation des classes moyennes, c'est la peur du déclassement, la peur de la perte des acquis sociaux en santé, en éducation, la peur, l'insécurité d'emploi, la perte du pouvoir d'achat. Alors cela interpelle profondément l'État, interpelle également les syndicats et devrait interpeller davantage les entreprises. Et parler d'une seule et unique classe ouvrière aujourd'hui, ce serait un peu court, hein? Ce serait un peu facile de dire aujourd'hui, il n'y a qu'une classe ouvrière. Non, il y a une stratification qui s'est installée au sein de la classe des travailleurs depuis plusieurs années, mais ça s'est intensifié ces dernières années. Et là, il faut aussi que le mouvement syndical réponde à ça. Chez nous, il y a des psychologues, il y a des professionnels, il y a des profs d'université, il y a des infirmiers, il y a des infirmières, mais il y a aussi des travailleurs dans les couches tard. Puis il y a des gens dans le secteur agroalimentaire, puis il y a des gens dans le secteur des services privés qui vivent de la précarité, puis qui vivent un sentiment même d'injustice au niveau du travail. Donc, le mouvement syndical est obligé de s'adapter à ces réalités-là. Et à la CSN, on a l'avantage de représenter du monde dans plusieurs secteurs d'activité, puis ça nous oblige comme syndicat à faire les adaptations nécessaires. Le fait de devoir survivre au monde du travail qui se complexifie, où on en demande de plus en plus, où la charge de travail s'alourdit, puis en même temps, on donne moins de ressources pour faire face à la tâche, on coupe au maximum pour assurer le service, bien, pour les personnes, il y a une crise là, d'identité dans le travail qui devient importante. Le travail ne devient pas le centre de tout où c'est l'occasion de t'épanouir. Au contraire, le travail parfois te rend malade. Et le taux d'épuisement professionnel chez le personnel dans le secteur des services est dans une hausse importante parce que c'est qui est au cœur de leur travail, finalement, qui est remis en cause. Et donc, épuisement professionnel, c'est le psychologique en termes de santé, sécurité du travail prend dessus. Puis il y a des phénomènes de survie, hein, le chacun pour soi. Dans un nouveau modèle, si vous voulez, de régulation du travail, qui n'est évidemment pas généralisé à tous les secteurs, qui se retrouve surtout dans les secteurs de pointe, mais qui est un modèle. Et ce modèle interpelle, de toute évidence, les syndicats qui doivent se repositionner face à toutes ces grandes entreprises qui parfois revêtent la forme de manipulation symbolique, mais qui d'autres fois correspondent tout à fait aux attentes des salariés. Le monde du travail change. Il ne change pas nécessairement toujours pour le pire. Il faut s'adapter aux nouvelles réalités. Il y a des changements technologiques partout. Dans le domaine de la santé et des services sociaux, c'est quand même incroyable ce qui se passe. Il y a des avancées importantes. Mais tout ce phénomène-là doit quand même être accompagné d'une main-d'œuvre stable, constante, bien formée, qualifiée, mais pour qui on donne une importance majeure à l'autonomie professionnelle pour qui, puis c'est vrai dans tous les domaines des services publics, c'est même vrai dans le privé, où on s'aperçoit qu'une bonne reconnaissance de ces travailleurs, si on met en place des programmes de formation continue, si on donne une stabilité d'emploi, si on a des horaires de travail qui permettent de concilier la vie familiale et vie au travail, c'est des valeurs qui sont gagnantes dans le monde du travail pour les prochaines années, d'où nos revendications qui vont dans ce sens-là aussi. Thank you.
Honnêtement, je ne suis pas étonné d'entendre aujourd'hui les jeunes générations réclamer plus de conciliation famille-travail parce que, forcément, même on parle même de conciliation famille-travail-études aujourd'hui, parce que, quelque part, si vous ne mettez pas de limite à la façon dont le travail est organisé, bien, vous allez vous faire organiser, puis vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez travailler en permanence, mais vous allez être payé 35 puis 40 heures par semaine. Puis vous n'aurez peut-être pas les conditions de vacances, puis les conditions générales de travail qui pourraient faire en sorte qu'à un moment donné, vous prenez du repos, vous prenez des congés ou vous pouvez bénéficier d'avantages qui normalement sont liés à la négociation d'une convention collective. Ce qui me semble de plus en plus évident aujourd'hui, c'est que, à tout le moins dans les secteurs porteurs de notre économie, les travailleurs et les travailleuses vivent maintenant les conséquences d'une véritable révolution managériale qui, pour l'essentiel, est fondée sur le principe général de l'entreprise intelligente. Entreprise intelligente, c'est-à-dire capable de répondre aux incertitudes et d'innover, dans laquelle les partenaires, ça, ce sont les salariés, par l'intériorisation des normes et des finalités du marché, supportés par les managers au moment des évaluations, doivent s'autoréguler, se font évaluer sur leur capacité d'autorégulation et sont responsables, évidemment, de leur performance. Alors, plusieurs pratiques caractérisent cette nouvelle conception de la dynamique d'entreprise. Il y a d'abord un enjeu clé, la mobilisation de la subjectivité au travail. C'est fondé pour l'essentiel sur une fusion de la motivation intrinsèque au travail, qui fait appel aux aspirations, qui fait appel aux possibilités de réalisation de soi, et extrinsèque au travail, fondé pas uniquement sur la régularité des salaires, mais aussi sur différentes formes d'intéressement au travail. Ça repose aussi sur une notion d'autonomie responsable, qui en fait est beaucoup plus une autonomie procédurale quant aux moyens. Une autonomie très encadrée par différentes formes d'évaluation à partir des datas, du coaching, des évaluations individuelles, des évaluations des performances par le client comme par le gestionnaire et souvent par les collègues également. Ça repose sur autre chose, ça repose sur un management qui tend à accroître la suggestion des salariés au marché client, c'est-à-dire amener les travailleurs le plus près possible du marché client. Et ils sont là, évidemment, pour vous aider à vous ajuster si votre comportement n'est pas conforme aux attentes de productivité et aux attentes de qualité de la part des clients. S'ajoute à cela le passage d'une gestion individualisée, c'est-à-dire qui reposait sur des modèles assez standardisés dans lesquels s'inscrivaient les individus, mais qui étaient pris en compte comme individus, à une gestion personnalisée, c'est-à-dire marquée par la reconnaissance, entre guillemets, des singularités. Donc, c'est moins une standardisation qu'une reconnaissance de la singularité. Il s'agit donc de miser sur la singularité des personnes, de favoriser une transaction subjective. Et ça, ça prend la forme de différentes pratiques de GRH, c'est-à-dire pour l'essentiel une GRH à la carte, où on donne des possibilités quant au choix des modalités de rémunération, on tente d'ajuster les parcours individuels, personnalisés, on tente d'ajuster les conditions d'exercice du travail aux attentes des salariés. Alors, toutes sortes de modalités sont mises en place quant aux horaires, quant au lieu de travail, approche family friend, senior adjustment, programme d'aide aux employés, etc. Ceci correspond généralement à des besoins et à des attentes de la main-d'œuvre. Et par contre, ceci ouvre de nombreuses portes à l'arbitraire. Et c'est évidemment un ensemble de pratiques qui posent des maux de tête au monde syndical, puisque celui-ci est alors associé à des approches de type, pour prendre le langage à la mode, tapis mur à mur, alors que nous, dans les entreprises, on est à l'écoute de vous comme personne, comme individualité.
Enfin, ultimement, dans les secteurs de pointe les plus qualifiants, on tente de construire des ponts entre les objectifs de développement personnel et ceux de l'entreprise. On atteint alors des points de rencontre entre des exigences de performance propres à l'entreprise et l'intégrité de l'individu qui peuvent conduire à des reconstructions identitaires qui revêtent alors différentes formes, notamment un retour par des programmes de formation personnelle, question de bien ajuster sa manière de voir son avenir avec la manière dont l'entreprise voit le sien, qui est l'avenir du travailleur.